Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Lors du précédent tutoriel, nous avons modifié free, le thème FreeMe et Gotia avec PHP. Aujourd'hui, je vous propose un formulaire de contact à intégrer ici dans le thème FreeMe. Ceux qui souhaiteraient l'intégrer dans le thème Gauthier, eh bien, c'est la même procédure. Alors, la première chose à faire est de vous rendre sur le site Google Captcha et d'aller créer deux clés une clé publique et une clé privée. Vous rentrez l'URL de votre site ici, vous créez donc vos clés, vous faites un copier-coller sur un bloc-note, et... et nous voilà partis. Voilà. Alors, dans l'archive, ce que j'appelle ici donc un plugin, eh bien, dans le dossier CSS, vous euh, remplacez la feuille de style du thème par celle-ci. Dans le dossier images, du thème, vous rajoutez cette image. Dans le dossier inc, vous rajoutez, alors vous remplacez le fichier footer et le fichier o. Et dans le répertoire js, vous rajoutez le fichier, ce fichier js. Alors ici, euh, le fichier contact, eh bien, remplace celui du thème. Et une, deux, trois, ces quatre fichiers. Sont de nouveaux fichiers donc à envoyer dans votre thème. Je vous ai préparé un petit bloc notes qui explique euh, ce que je viens de dire. Donc les étapes. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose à faire et je vous ai même rajouté ici, afin de vous éviter de revenir sur le site, eh euh, l'adresse Google pour le capture. Alors, vous avez donc copié les deux clés. Alors la première chose à faire, vous vous rendez donc dans le répertoire contact vers la ligne 96 ici. Eh bien, je vous ai préparé l'endroit pour coller la clé publique. Donc ici, et je l'ai commenté ici. Ensuite, vous ouvrez le fichier mail.php et que la ligne 8, vous collez la clé privée. Ensuite, vers la ligne 46, voilà, ici, vous ajoutez, donc vous mettez votre adresse mail. C'est tout. Ensuite, qu'y a-t-il dans le footer que vous remplacez donc Eh bien, vous avez, allez, on va parler du, de l'essentiel, du principal, des réglages possibles. C'est-à-dire pour le, le champ nom, un hein, M du formulaire, le minimum de caractères est de 3. Vous pouvez modifier. Ici, pour le numéro de téléphone, vous pouvez mettre, ici c'est un 11 chiffres, vous pouvez modifier. Tout comme vous, il n'est pas requis, donc euh, c'est false. Vous voulez le rendre obligatoire, vous tapez True. De la même manière, ici, pour le sujet, donc euh, 3, minimum 3, 3 caractères, vous modifiez. Hein. Et pour le message, eh bien, là, c'est minimum 20 caractères. Là, vous modifiez. Voilà. Donc après le reste, vous n'y touchez pas. Et en ce qui concerne le fichier O, alors. À cet endroit, donc c'est tout à fait en bas du fichier, hein, avant le code de Google Analytics, et eh bien tout à fait en bas. Là, vous modifiez l'apparence, car en effet, voilà, là vous vous rendez ressources, non. customisation. Là, vous avez différentes couleurs, red. White, alors Black Glass et clean. Bon, moi j'ai tapé clean. Alors si vous souhaitez qu'il soit rouge, eh bien, là, vous tapez red. Ou un autre, euh, en fonction de votre choix. Voilà. Donc, euh, bah, là, on a fait le tour. On va faire un petit essai. Alors, bon, je passe sur les aspects techniques. Hein. Bon, je vous montre le résultat, c'est tout. Alors, le nom, on a dit 3 l'on doit rentrer minimum trois caractères. Alors une petite chose, oui, j'ai traduit l'essentiel mais j'ai pas eu le temps de faire le reste. Cela se passe là dans le fichier js. Voilà. Donc je vous ai indiqué de placer euh, dans le répertoire js du thème. Donc trois caractères. Là, hop, c'est bon. Ensuite l'adresse mail. Alors je vais marquer bah, tuto. Voilà, je passe le champ et hop, j'ai oublié, elle n'est pas valide. Donc là, je rajoute, mettons, .com. Là, c'est valide. Bon, là ici, ce n'est pas obligatoire. On va faire semblant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il en faut 11. Donc ceci est réglable, hein. je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, c'est valide. Bon, là, dans la source du fichier contact, vous pouvez modifier hein, les termes. Hein. Bon, moi, j'ai simplement euh, traduit en français. Donc, question, support, euh, etc. Bon, ce n'est pas un champ obligatoire. Bon, ça, vous, vous regarderez ça. Alors, le, le message, je ne me souviens plus le nombre de caractères. Alors, message, c'est 20. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19. Voilà, il faut en mettre 20. Minimum. Et là, c'est bon. bon. Bon, on va faire un essai. Alors là, espérons que je ne vais pas me tromper. Voilà, le mail a été envoyé. Donc, euh, donc tout est bon. On va aller vérifier. Et voilà, donc vous avez votre mail euh, ici qui est bien parvenu. Alors voilà. Alors maintenant, j'oublie tout. Voici ce que vous avez. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tutoriel vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt